Please don't move, and look straight ahead. I promise you won't feel a thing. It's a go for molecular reduction. Spacer is prime. Where you are going, all your worries will seem so small. Bonjour et bienvenue, on est de retour dans plus de Grounded. J'ai fait une base, ça y est, parce que je vais être honnête, hein, ça commençait à devenir un peu le bordel. Et surtout, comme j'ai dit, vu qu'on commence à combattre pas mal d'ennemis et tout ça, j'avais un peu peur des raids. Et je peux pas vraiment défendre s'il n'y a pas de mur et tout. J'avais pas vraiment envie de faire des murs non plus, parce que bah, c'est chiant, hein, de faire tout plein de murs partout. Et donc j'ai fait ça. Je vais être honnête, je suis allé un peu regarder YouTube aussi pour trouver les endroits en fait où les gens font des bases la plupart du temps. Donc j'ai voulu trouver un endroit en fait qui était un peu safe, sans trop besoin de construire, parce que j'avais pas envie de passer 50 heures à faire un truc. J'ai aussi récupéré quelques trucs, je vais en parler après. Et du coup... on a vu une petite cinématique. Ça c'est parce qu'on a récupéré une puce en or. En gros, on a fini une partie de la mission, et quand on dort en fait on a un rêve par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, je l'ai mis au début. Mais bon, ça on l'avait déjà découvert la toute première fois qu'on avait joué. Donc voilà, j'ai cherché donc un emplacement pour une base. Et les gens disent que c'est pas mal pour un début de base ici. Et c'est vrai que c'est loin en fait la plupart des insectes ici, bon, sont pas vraiment agressifs, mais ils peuvent pas vraiment atteindre en fait la base. Et les fourmis, alors les fourmis, il y a toujours un problème, les fourmis c'est des saloperies de voleurs, c'est ouf quand même. Donc en gros j'ai fait des tests, donc là on voit que j'ai trois plats qui sont en train de faire, et là c'est en train de sécher par exemple. Et en gros j'ai fait des tests, donc... À la base, j'avais mis, donc là, il y a des montées, en fait, des rampes. Je les avais mis, des rampes, pour monter moi-même. Et j'avais mis, genre, la broche à rôtir. Au début, je l'avais mis là, en fait, sur le côté, pour voir si les fourmis allaient dessus. Et les fourmis, oui, le fourmi, même si c'est assez haut, hein, on peut voir que c'est quand même assez haut, le fourmi les détecte et vont manger, en fait, la nourriture. Après j'ai encore fait des tests, parce que je me rappelle que c'était vraiment une catastrophe ça aussi, quand j'avais fait ma base en fait au sol. C'est pour ça que je suis dans un endroit un peu plus élevé aussi. J'ai mis la rôtisserie genre en plein milieu là, du coup pour la faire monter. Et ben même là-haut les fourmis continuent à détecter, la nourriture monte. Et encore une fois, bon, j'ai envie de dire dans un sens c'est pas corrigé, mais ça serait vraiment compliqué à corriger, parce que ça serait corriger tous les insectes, en fait, toutes les bestioles qu'il y a dans le jardin et tout ça. Et genre, elles se mettent là, et on peut le voir que maintenant, elles ont une petite icône de voleur, en fait. C'est une sorte de masque sur le visage. Donc, elles sont en train de voler, et elles étaient en train de manger, alors que la rôtisserie, elle était en haut. Mais elles étaient là, et elles arrivaient à bouffer, en fait, ce que j'avais dessus. Donc, chiant. Très, très chiant. Donc, j'ai fait des tests pendant un bon 2 heures, hein, quand même. Hein. Après, je l'ai mis donc là, parce que j'avais fait un petit balcon. Et là, apparemment, ça passe. Là, elles peuvent pas la manger. Donc, au lieu que ça soit cette distance-là, comme ça, là, on est un peu plus haut. Vous voyez, il y a un peu plus de distance. Donc là, apparemment, elles n'arrivent pas à manger, et elles n'arrivent pas, en fait, à trouver... Elles ne montent pas les escaliers, en fait. Les créatures ne montent pas les escaliers, je crois, la plupart du temps. Donc, elles ne pouvaient pas trouver un moyen de monter. Par contre, le problème, c'est que elles montaient les rampes, en fait. Elles se mettaient là, dès qu'au bout de quelques secondes, dès qu'elles voient qu'elles ne peuvent pas atteindre, en fait, la nourriture qui est ici. Elles redescendaient, mais la plupart du temps, des fois, sentez la nourriture, vous voyez, parce qu'elles se mettent à jour en fait, hein, c'est comme ça que l'IA fonctionne dans le jeu. Elle se met à jour et du coup elle ressentait la nourriture et elle remontait, et j'en avais deux qui arrêtaient pas de faire des allers-retours. Donc du coup, ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai enlevé les deux rampes du bas, donc maintenant on est bon, il n'y a plus personne qui s'arrête. Même les fourmis, elles s'arrêtent même plus en fait. Ah, regardez, il y en a une qui a de la nourriture dans la bouche.
Donc maintenant, elle s'arrête même plus. Je crois bien qu'elle ne sent plus du tout la nourriture, en fait, parce qu'il n'y a pas... Ou alors, des fois, elle s'arrête là, mais elle part, en fait, directement. Parce qu'il n'y a vraiment pas de... le pathfinding, en fait, il fonctionne plus. Il n'y a vraiment plus aucun chemin, parce qu'elle ne saute pas, les fourmis. Donc voilà. Donc, ouais. C'est un peu long à expliquer, mais bon, voilà. Si vous voulez faire des bases, en fait, dans ce jeu-là, ça va vraiment vous aider de savoir des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. On va manger ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait... Donc la base, elle est là. J'ai fait une parcelle de terre, là, pour faire un champignon. On a deux endroits pour l'eau. Honnêtement, deux, quand vous êtes seul, c'est bien. Un, c'est limite, parce que des fois, la rosée, en fait, tombe pas vraiment vite. Aussi, vu que j'ai construit pas mal de petites choses, on a ce buff-là. Donc le confort de votre base ralentit votre faim. Donc ça, c'est nouveau, c'est complètement nouveau. Je découvre ça, c'est vachement bien. On peut le voir à droite, le petit icône. Et on peut avoir plusieurs niveaux, donc c'est cool. Après, j'ai fait donc un autre rouet. Donc, comme ça, on fait plus de cordes, parce que c'est vrai que les cordes, ça va vite partir. Ah, très bien. On va peut-être un peu arrêter d'en faire aussi, parce qu'on va commencer à être un peu... Pour l'instant, on n'a pas vraiment l'utilité de faire autant de cordes. Mais par contre, les soins, on est toujours à vouloir des soins. Donc ouais. Hop, on va ranger tout ça. Donc très bien. Donc j'ai fait ça. Normalement là ça a l'air de gêner personne. On n'est pas vraiment sur le chemin des fourmis parce qu'on est, surtout au-dessus du caillou. Il n'y a que ça qui sort un peu du lot. Ça non plus, ça n'a pas l'air de gêner trop les fourmis. Vous voyez que des fois elle reste un peu stuck. Mais ça c'est parce qu'elle me voit et elle reset en fait. Mais si je m'éloigne normalement elle va trouver un autre chemin. Et elle va se débrouiller pour partir. Donc voilà, donc ça va. Je pense que notre petite base là est tranquille. On va pas être plein de fourmis de tous les côtés. Bon, celle-là elle commence à m'inquiéter. J'ai peur qu'elle se bloque. Ouais, peut-être qu'elle va se bloquer. Elle. C'est embêtant, hein, c'est embêtant ce système. Hein. On va peut-être mettre ça genre là. Pour le moment. On va peut-être mettre ça là-bas. Là. Voilà, comme ça, elle aura un peu plus de place. Mais bon, après, je vais être honnête, on peut enlever cette partie. Hein. On peut vraiment tout enlever, comme ça, voilà. Ça gêne plus, mais je voulais quand même faire une meilleure base. Alors aussi, on a des trucs à identifier. Donc on a ça et ça, parce que j'avais complètement oublié qu'on pouvait identifier ce genre de choses. Aussi, le fait de faire un champignon, ça va nous permettre d'attirer des charançons et tout ça. Là, on va pouvoir avoir plein de nourriture, c'est bien. Donc on va rentrer là, on va analyser ça et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai plein de trucs à faire. Donc oui, ça c'est les deux objets dans le jeu entier qu'il faut transporter en fait sur son épaule. Après tout le reste ça va dans l'inventaire, mais ça il faut le transporter, j'avais complètement oublié ça. Il y a aussi des nouvelles mutations que j'ai eues, ah, je vais vous montrer, c'est super bien. Voilà, très bien, on a les murs, ça c'est important. Parce que vous voyez que ma base, en fait, ma tour, en fait, je veux faire une tour, mais c'est pas encore une tour. Pourquoi? Parce que j'avais pas les échafaudages et tout ça, et j'ai complètement oublié, en fait, les échafaudages. On va analyser ça, donc ça, c'est du champignon. En gros, avec la hache niveau 2, maintenant, on peut couper les champignons. Donc c'est cool. Voilà, très bien. On va changer. That should keep me safe. Safer. On va reposer ça. J'ai regardé mes anciennes vidéos par curiosité. Et c'est vrai, hein, il n'y avait pas genre 3 barres d'action. Il n'y avait pas autant de mutations et tout ça. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. On va boire un coup. Nice and clean. Bon, elle fait du des va-et-vient. Elle, j'avoue que ça m'embête un peu, franchement. Alors, je sais pas si elle détecte ça ou pas. Ça c'est en train de sécher, c'est parce que j'ai fait une cuisine et je voudrais commencer à faire des petits trucs. Donc là on a il faut du puceron et là il faut du moucheron. J'ai fait 2 gros coffres de plus, enfin les moyens là. On a ça, il nous faut des plaquages, des pierres en fait. Donc ça on verra ça plus tard. On a toujours le smoothie qu'on peut faire. On va regarder ce qu'on a débloqué aussi. Je vais vous montrer les mutations après. Alors, la fabrication, on a la lisière, on a... voilà, on a les murs maintenant, on a les murs. Donc on a des demi-murs, on a des murs avec fenêtres.
plus robuste, mur de tige, fenêtre, demi-mur. Normalement, je crois qu'il existe des murs. Là, on a la porte aussi. Des murs arrondis. Parce qu'en gros, ce que je voudrais faire, c'est faire une vraie tour. Mais je pense que la tour, après, je vais la faire en champignon, de toute façon. Ce sera comme des briques. Mais vous voyez que j'ai fait une tour sur les côtés, là. C'est arrondi. Donc, je veux faire ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les supports. C'est vrai que... Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire... J'aurais pu faire des supports. J'aurais pu faire des supports. Maintenant, bon, c'est fait comme ça. On va laisser comme ça. C'est une base de début, de toute façon. Ouais, bon, toi, tu me gaves. Toi, tu me gaves. Voilà. J'espère que c'est juste une petite erreur et que ça va pas se reproduire. Mais bon, voilà. J'avais vraiment tellement de problèmes dans la toute première fois que j'ai joué, quand j'avais mis ma base en plein milieu d'un va-et-vient de fourmis. C'était horrible. Spécieuse petite table avec un tiroir pour ranger des objets. Ça, c'est tout nouveau aussi. Ça, je connais pas. Donc, c'est une table apparemment. C'est joli, c'est sympa. Table en herbe, ça existait. Mais voilà, là on a découvert plein de trucs. Pour les mutations, il y a des trucs un peu abusés que je connais pas. Alors, on en a eu plein en fait, hein, parce que vu que j'ai joué un peu quelques heures à crafter. Donc, lance, on est à 2. Donc, ça c'est 1, on l'avait déjà débloqué. La parade, on est à 3, on est au max. On a barbare, parce que ça y est, j'ai débloqué barbare parce que j'ai utilisé la masse assez souvent. Donc, bonus de maîtrise, régénération constante de la santé quand tu es enragé. Ça, c'est pas mal. Honnêtement, je crois pas qu'il y avait ce bonus de maîtrise. Donc, bonus de maîtrise, j'imagine, c'est quand on est niveau 3. Mais je suis quasiment certain que ça existait pas. On avait juste barbare. Mais là, on a une régène de santé, en fait, à utiliser les armes à deux mains. C'est intéressant. On a brise rock, parce que j'ai cassé des cailloux. On a ça, vaurien voyou. Je sais pas comment j'ai eu ça. Je pense que c'est en récupérant pas mal d'objets, un peu à droite à gauche, je crois. Mais ça, c'est tout nouveau pour moi. Donc, attaquer des créatures en mêlée vous donne une petite chance de voler des ressources qu'elles peuvent laisser tomber. L'empilement de plusieurs sources de cet effet vous permet de voler des objets supplémentaires. Et j'ai testé, et c'est pour ça que j'ai eu ça, parce qu'en fait, je suis allé récupérer de la... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle? J'ai le nom en anglais en tête et j'ai pas le nom en français. De l'argile, voilà. Je suis allé récupérer de l'argile, vous savez, dans là-bas, là. Et il y avait un moustique qui m'a attaqué. Et du coup, j'avais ça activé, j'avais cette mutation, et je lui ai volé apparemment son stylet de moustique. Et c'est pour ça que j'en ai 2, du coup. Et après, bon, bien sûr, je l'ai tué, donc j'ai récupéré ça aussi. Mais j'en ai eu 2, et j'en ai un en combattant et un deuxième en tuant. C'est assez marrant, et donc ça marche plutôt bien. Et vu que c'était la nuit aussi, j'ai eu... Il y a 2 lucioles, en fait, qui se sont fait tuer par ceux qui font du gaz, là. Donc du coup, je suis allé les looter, donc j'ai récupéré ça. On a aussi fait du cuir de baie, du coup. Donc ça, c'est bien. Apparemment, on peut faire du cuir de baie sans les faire sécher. Honnêtement, alors je sais pas si c'est nouveau ou alors si je l'ai jamais vraiment fait. Mais je crois qu'on m'avait dit ça. Attendez un peu. Formule. Ah oui, ouais, on peut vraiment le faire. Je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas. Mais on peut le faire. Ouais, il en faut 3, par contre. Donc 3 morceaux de baie, ça fait un cuir. Donc là, moi, je l'ai fait sécher, donc du coup, ça fait un cuir par morceau de baie, donc c'est nettement mieux. La corde aussi, j'avais dit que c'était 2, mais c'est 3. Hein. C'est 3 végétales pour faire une corde. Mais là, nous, on en fait une 1 pour 1, donc ça, c'est mieux. Mais voilà, donc du coup, on a plein de trucs à check. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah du coup c'est bien en fait, parce que la nourriture elle pourrit pas aussi. Honnêtement je pensais qu'elle brûlait au bout d'un moment quand on l'a laissé sur la rôtissoire. Mais en fait pas du tout. Donc du coup on peut faire de la nourriture et la laisser dans le camp. Tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'ils vont vite ces machins. Ah, ok, très bien. Ok, c'était un peu con de ma part, désolé. C'était un peu con de ma part. Je peux faire tomber ma lance, ouais, c'est bon. Ok, d'accord, ou pas. Euh...
Ma lance, s'il vous plaît, on fait chier. Aïe, aïe, aïe. Bah après, c'est pas comme si j'en avais vraiment besoin, mais... Très bien. Bien. On va poser ça. Donc ouais, je suis assez content de tous les petits rajouts qu'ils ont fait. C'est super intéressant, c'est super intéressant. Ça, honnêtement, si vous êtes un peu comme moi, que vous aviez même déjà tout fait, genre fini le jeu à l'époque et tout ça, je vous dirais, il y a aussi une touche, il y a A pour passer d'un outil à l'autre en fait. Le dernier que vous avez équipé et le suivant, c'est pas mal. Je crois qu'il essaye de prendre ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils prennent de l'herbe. Je pense que ça vaut le coup, honnêtement, de se remettre dans le jeu. Même depuis le début, franchement, depuis le début. Parce que c'est assez fun. On va faire cuire tout ça. Je voudrais bien que ça sèche. Elle est sec, là, le truc? Ah oui, elle est sec. Ah, bah cool, cool, nickel. Bah mince, alors attendez. Ah, je peux pas les récupérer? Non, je peux pas les récupérer. Je vais mettre des pucerons, en fait, pour faire de la nourriture. Ou des mouches. Il faudrait des mouches. Ah oui, aussi... Bah, attendez. Aussi, ce que je voulais dire, c'est... Alors, j'ai testé la masse, celle-là. Techniquement, honnêtement, le saignement est vraiment puissant. Le saignement est très puissant. Donc, je crois que... Alors, celle-là, c'est bien pour étourdir, évidemment. Mais je pense que le saignement, en fait, est plus intéressant que le boost de dégâts avec celle des fourmis. Donc, ouais, j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Il est où le truc? Il est là. Je vais vous montrer. Donc maintenant, j'ai les deux. Mais je suis assez content comment ça se fait, là. Ça marche, ça fonctionne. Les nouveautés sont vraiment cool, le jeu est beaucoup plus agréable, vraiment nettement plus agréable. Après c'est pas pour dire que le jeu était mauvais à l'époque, hein. mais ouais, il a été vraiment bien arrangé quoi, donc ça c'est vraiment vraiment cool. J'avais un peu peur de me faire chier en fait à faire des bases, c'est pour ça que je voulais pas vraiment faire une à la base. Mais au final, j'ai passé un bon moment à faire la base. Ça s'est bien passé, c'est allé vite. Je dois bien un troisième. Ah oui, aussi, on peut faire tomber de l'eau hein, en tirant dessus. C'est vrai que j'avais jamais vraiment montré ça. Mais... je voudrais bien... Ah voilà, très bien. Nickel. Honnêtement, je pense que taper sur la tige, ça l'aurait fait tomber, il serait mort de la chute. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur 1 par erreur. Très bien. Just pretend it's beef jerky. Voilà, nickel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se balader. Donc ça, on va le garder. Ça, ce sera pour faire de la nourriture. Pour l'instant, les coffres, c'est un peu n'importe quoi. Mais franchement... de toute façon, peu importe. Après, c'est bien qu'on peut désactiver aussi le dépôt rapide. Comme ça, on n'a pas besoin de tout mélanger. Parce que là, par exemple, j'ai gardé un petit coffre pour mettre les morceaux d'armure que j'utilise plus vraiment. Ah oui, aussi, j'ai fait ça pour pouvoir réparer. Vu qu'on a maintenant une base, on peut réparer les parties. Donc, vous avez vu que l'eau descend très vite, hein, quand même. Et là, j'en ai deux. Et ben, j'arrive juste à limiter ma soif, hein, mais pas beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais être honnête, je sais pas trop. Je vais peut-être enlever le voleur, parce que j'ai pas vraiment besoin de voler pour le moment. On peut aller combattre des fourmis. J'ai bien envie de mettre barbare, en fait. Voir un peu la barbarie. Je sais plus comment la barbarie fonctionne. Je crois que c'est quand on fait un enchaînement. Tu infliges beaucoup plus de dégâts lorsque tu es enragé, mais il est plus difficile de parer les coups de tes ennemis. Ouais. Je crois que c'est quand on fait un enchaînement, après on devient barbare, donc les dégâts augmentent, mais après ouais, on a un problème pour parer. Mais je crois qu'on prend juste un peu plus de dégâts, ou alors on a moins d'endurance pour parer. C'est pas vraiment grave.
Je vais être franc, c'est pas vraiment grave. Très bien. Mais ouais, en tout cas, qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je sais pas trop. Techniquement, on devrait aller là. Pour notre deuxième base. Je crois que c'est la plus facile après la toute première. Qu'est-ce qu'on a là? On a des palettes de couleurs à aller récupérer. Ouais, on peut aller voir un peu comment ça se passe. Parce qu'on va devoir commencer à fabriquer des... comment ça s'appelle? Attendez, on va aller analyser des choses. On va devoir commencer à fabriquer de l'équipement de plongée, en fait. Donc ouais. Je me rends compte qu'en 20 minutes, j'ai pas montré grand-chose. Mais bon, ça c'est un peu le jeu. C'est des fois, quand vous commencez à débloquer des choses, genre en masse... Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vraiment fun. Ça, c'est une sorte de rapière, je crois. Ah, merguez, ça, c'est bien. Ça, c'est pour faire des bombes. On va allumer ça. Cible, cible factice, cible sur... Ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est pour tirer à l'arc? Ça, je connais pas, ça. Lanterne suspendue, ok. Je crois que si j'analyse ça, je peux faire des soins qu'on... Genre des sortes de flacons de soins que je casse au sol et qui me soignent. C'est pas mal en équipe. Du coup, en fait, ça vous permet de pouvoir soigner d'autres personnes, mais ça vous soigne aussi, donc c'est pas mal. Alors, attendez, on a débloqué quoi? Donc ça, c'est une épée, elle est très rapide, je crois, ouais, vitesse. Et elle a du vol de vie, donc ça, c'est bien. Mais les dégâts sont pas top. J'avais pas trop aimé, moi, perso. Il faut de la moisissure, des œufs fourmis rouges. Faut de la moisissure aussi? Je savais pas qu'il fallait de la moisissure, je me rappelle plus. Très bien. Donc ça, c'est quoi, ça? Utilisable pour vous entraîner au tir à l'arc. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. D'accord. C'est tout nouveau. Ok. C'est cool. Ça, c'est de la lumière. Œufs de fourmis rouges, ça je sais comment les récupérer. On peut aller dans leur camp en fait et genre combattre et défoncer tout le monde et récupérer les bébés, les œufs. Mais le plus facile honnêtement c'est de tout simplement faire l'équipement de la fourmi rouge. Comme ça elle nous voit pas comme des ennemis en fait. Les cordes elles vont tellement vite au bout d'un moment et c'est tellement simple de récupérer ces plantes, mais les cordes c'est tellement chiant à faire. Donc ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme j'ai dit, ouais, on va aller vers le petit lac là. Enfin, c'est pas un lac, c'est une... comment ça s'appelle? Bon, on va aller vers l'eau quoi. Et en plus quand je passe à côté je peux me vider l'inventaire, donc on est à portée pour vider l'inventaire, donc ça c'est bien. Je vais déposer les objets que j'ai supplémentaires. Ça, 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 on l'a analysé. Je vais garder ça sur moi, ça sera pour l'analyser. Il faut que je boive encore. Oh là là, cette... Oh là là, mon dieu. Très 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 chiant quand même. Don't even need to boil it. Mais bon, c'est comme ça le début, après ça devient un peu mieux. Très bien. Araignée. Je sais pas si je vais au bon endroit en fait. Désolé. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais ouais, je passe un super moment dessus. Je vais être honnête, je pensais qu'au bout d'un moment, ça allait me gaver. C'est pour ça que, sur le coup, j'ai pas voulu trop poster des trucs dessus, parce que je me suis dit, ça va me gaver au bout d'un moment. Mais non, au final, c'est cool.
Au final, c'est super cool. Soldier ant spotted. Soldier ant? Genre une fourmi soldat qui se balade ici? Intéressant. Un peu étrange. Pas censé. C'est pas censé se balader très loin de, le, de la base en fait, de leur fourmilière. Ouais, je me suis habitué à faire ça aussi. Donc ouais, faut juste que j'arrête de toucher les, les autres touches. Le fait de récupérer de la sève aussi, là c'est bien, on a mis les récolteurs de sève, ça aide énormément quand même. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà. Donc notre prochaine base, je pense que ça, enfin notre prochain labo, je pense que ça va être ça. Ouais, je pense. Ouais. Je suis pas très fan du. De, des trucs dans l'eau en fait, parce qu'il faut à chaque fois de l'équipement bien précis. Pour l'instant, j'ai rien. Donc ça va. Non, on peut prendre ça. Ça, c'est bien, c'est nouveau. Alors, ça, il y en a plein. Moi, je les utilisais pour faire de la nourriture. Il y en a vraiment plein partout. Et comme j'ai dit, il faut faire attention parce qu'on a. Une fois que ça arrive zéro, là le compteur, on meurt hein, directement. Ouais. C'est un peu la merde pour ça. Alors, on va voir un peu. Ça, des punaises. Je sais qu'on a des araignées d'eau et normalement il y a un poisson. Je crois que c'est un koi. Un poisson, je sais pas quoi. Là. Gros poisson et je, si je me rappelle bien, ah bah tiens. Si je me rappelle bien, il peut nous gober. Je crois. Il peut nous gober en une fois et on meurt directement. Alors, je vais voir un peu. Elles sont... Alors, on peut combattre avec la lance, mais elle n'est pas vraiment faite pour combattre sous l'eau. Par contre, je sais qu'on peut... Water filtration tablets needed. On peut faire quoi? Chewy, but not bad. Combattre à l'arc aussi. Faut juste aller un peu en surface, vous sautez. Ah, il y a des têtards aussi. Vous sautez, vous tirez. Ça, je le faisais, ça. On va en récupérer plein. Il y a aussi des plantes qui émettent de l'oxygène. On est déjà quasiment plein. Merde, pourquoi je fais du soin, quoi, complètement. Comment on monte? Je crois qu'on peut faire le tour. Je me rappelle, ça m'avait assez impressionné la première fois que j'avais... j'étais allé dans l'eau là, c'est assez sombre, il y a plein de créatures et tout. Ah oui, il y a ça à récupérer aussi. Donc ça c'est de la sève de nénuphar. Je crois que c'est surtout pour faire du de l'équipement pour nager. Poste de recherche, très bien. Bon, ça ça a pas trop changé, ça va. Il y a des toiles d'araignées, mais il n'y a pas d'araignées. Enfin, c'est dans l'eau, mais c'est pas vraiment des araignées. Alors. On va analyser ça. Il nous faudrait des palmes, il nous faudrait. Ouais, c'est celui-là, récupérer. Enfin, il y a plein de trucs qu'il nous faut là. C'est un peu... On va peut-être passer un petit moment à. À farmer. On va voir.
Y a des trucs qui... Non, merde. Là, on a quoi? Des tyroliennes, je pourrais les découvrir aussi. Ah, très bien. En mission, on doit tuer des... Ah, ben des agronettes, ça, c'est les trucs qui nagent. 5 coups au point faible, améliore l'arme ou armure, ça on peut pas encore, ok. Très bien. Donc là on a récupéré... Donc récup vert, il est facile à faire. Ah quoi que non, non il est la... c'est de la sève. Hyper... Non c'est de la sève. Avant c'était pas des nez... Voir c'est peut-être pas le même. Ah c'est celui-là, le sirop pesant en fait. C'est juste ces trucs-là, c'est juste ça soigne en fait. C'est pas mal. Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait le rouge. Santé max et soigne. Après, vous pouvez faire celui-là qui est basique. Ouais, non, non, ça va. Mais on peut faire le rouge assez facilement. C'est pas très compliqué. Là, on a une pièce. Taking a look. Ça. Très bien. I got the science. J'ai. Il me manque de l'eau. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut combattre. On va essayer de combattre. On va essayer de combattre des araignées. On va pas aller dans la base directement. On va peut-être aller dormir avant. J'ai plein de trucs à enlever. Je vais, en fait, j'ai de l'équipement à crafter surtout. Pour aller dans l'eau. Parce que c'est potentiellement un des... Je dirais un des laboratoires le plus difficile. Surtout au début parce que vous avez pas d'équipement. Donc il faut de l'équipement. N'y allez surtout pas sans équipement. C'est super profond. Faudrait des palmes. Mais je crois qu'il faut que je... Ouais, voilà, toi, viens. 15 secondes. Elle fait mal, cette merde. Ah, c'est un peu la merde en fait. Peut-être plus facile en comme ça. Tu vas mourir, s'il te plaît. Merci. C'est dégueulasse. On a récupéré tous les objets. Ouais, je crois. 3 toiles tu m'as donné. C'est pas mal. Les flèches flottent. Donc ça, c'est bien. On les récupère automatiquement. Ouais, on va rentrer. On va essayer de se crafter de l'équipement. Parce que là... Ouais, on va prendre ça. Ah putain, mon endurance aussi. Alors les têtards, je crois pas qu'on en ait vraiment besoin pour crafter de l'équipement. Je crois que c'est surtout les araignées de l'eau, là. Il faut plusieurs parties. Ne restez pas coincé en dessous des nénuphars, parce que ça va mal finir. Je crois que la mousse, on peut la manger. Je crois qu'on peut la manger, la mousse. En cas... Oui, on peut la manger, si on veut. On peut la manger. Assoiffé, putain. Ah, c'est horrible. Feeling a little safer now. Aphids,
nature's lollipops. Allez, on rentre. Ah. Très bien. Parfait. On peut peut-être prendre la sève, tant qu'on y est. C'est où exactement ? Vers la lumière, je me rappelle plus. Oh, 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 oh. I spy. Non, ça va, c'est juste des fourmis qui se battent. C'est si vous entendez des... comment ça s'appelle ? Des feuilles, en fait, se plisser et tout ça. La plupart du temps, ça veut dire que c'est un truc qui est un peu gros. Qui peut être dangereux du coup. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Hop. Ça doit être plein. Ouais, inventaire plein. Ah mon dieu. Très bien. Ah, l'ambiance de la nuit, c'est pas la même chose. La musique, elle est plus calme. Un peu... Ça fait un peu peur et tout. On voit pas grand chose. Il y a des fois beaucoup de brouillard. C'est... Ouais. Ah, très bien. Alors, on va faire ça. On a des choses à analyser. Alors déjà, il faudrait... Oh putain, ça c'est plein déjà. Je crois pas qu'ils soient tous pleins. Faut qu'on fasse des flèches. Ok, hop. J'en mets un peu partout en fait. Sève. Oh putain. Ouais. Va falloir que... Va falloir qu'on fasse des... Des coffres. Non, j'ai ça analysé. Ça aussi. Le reste, ça va. Oh putain, j'ai eu peur. Attends, c'est quoi qui finit en fait? Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, ça, je crois pas qu'il y avait un son comme ça avant. Pour dire que c'était fini. Ça, c'est cool. Maintenant, il y a tout qui fait un son, en fait. Okay. Très bien. Ouais, on va devoir faire d'autres coffres. C'est pas grave, on a tout ce qu'il nous faut. On va analyser ce qu'on a sur nous, là. One long schnoz, built for sniffing. Et après, on va dormir. Et on va devoir crafter des choses pour le sous-marin, là. Enfin, pour les combats sous-marins et tout ça. Voilà, dagosseuse. Les tridents sont vraiment cool. Les tridents, je crois que c'est comme... Bah, c'est des lances, du coup. Je crois que c'est bien augmenté par la mutation, aussi. Ah, c'est ça. Saucisson, c'est ça. Le soin. Un peu chiant à faire, parce que du coup, il faut farmer des moustiques. Et honnêtement, combattre des moustiques, c'est vraiment pas le fun. Un truc que je voudrais bien... Que je voudrais bien faire, ça serait... Quoi ce bruit? Ah, je crois que c'est le corbeau. Oui, c'est le corbeau qui fait ce bruit-là. Pff, je me disais, c'est pas un truc que je connais, ça. Ouais, un truc que je voudrais faire, donc on va crafter l'équipement. On va faire des coffres en plus. Alors c'est pas l'idéal, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est pas grave. Voilà, très bien. Hop, hop. Nickel.
Du séché, nickel, on va pouvoir faire de la nourriture, faire des repas en fait. Ça c'est bien, il nous faudrait... Ouais, on va se débrouiller encore. On a ça, donc les sirops apaisants qui font très simple à faire et qui soignent tout simplement. Donc ça c'est nickel, mais nous on veut faire du duvet frappé, c'est le plus simple, on va dire. Vu qu'on veut pas construire plus grand pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de l'argile à part... faire des smoothies avec. Ah, il y a tellement de trucs. J'essaye de toujours proposer de l'aventure et tout ça, mais c'est vrai que des fois, il va falloir... genre attendre un peu, crafter et tout ça. Ok, très bien. Nickel. Champignon qui grandit petit à petit. 32, pardon. Très bien. Don't even need to boil it. Yum. Nickel. Il me faudrait un peu de nourriture. Il faudrait un peu plus de nourriture en fait. Parce que maintenant, vu que je suis à l'abri des fourmis, techniquement, on devrait toujours avoir un peu de nourriture. Ah, là, on est en mode barbare, là, par exemple. Vous voyez l'écran rouge et tout ça. Par contre, j'ai un truc à pourri. Ouais, c'est ma faute. On va récupérer un tout petit peu plus de nourriture, puis après, on y va. Après, on regarde ce qu'on doit crafter. Il faudrait bien récupérer des moucherons aussi. Je dois les faire sécher. Mais regardez le saignement. Honnêtement, je le trouve un peu abusé, vous voyez. Donc ça fait gagner énormément de DPS, en fait, de le saignement. Donc je crois que c'est une bien meilleure batte. À la limite, c'est une meilleure batte si vous êtes solo. Parce que du coup, vous pouvez temporiser, genre vous éloignez, vous attendez que le saignement défonce le monstre et tout ça. Donc ouais, c'est vraiment cool. Faut aller vers les champignons pour en récupérer. Pour récupérer des charançons. Ah, toi, viens ici, toi. Non, putain, trop loin. Ah, ça me rend fou, je veux juste trouver des petits trucs à la con, là. S'il vous plaît. Bon, on va aller crafter. Qu'on s'équipe un peu, là. Alors, ça... non, ça, on va le manger. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des fibres végétales ici, pour les faire sécher. Du coup, elles deviennent séchées, du coup. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on voudrait... Donc ça, c'est du soin, comme j'ai dit. Par contre, ça soigne vraiment bien. Ça soigne vraiment bien. Alors, nous on a maintenant dague et trident. Ah putain, c'est de l'arête abyssale. Ouais, bon, ça c'est pas pour maintenant. Trident osseux, il nous faut aussi des arêtes. Bon, on va faire du coup la dague et gravillon, outil pour couper des plantes sous l'eau ou repousser les attaques. On va faire une dague. Ça c'est une lampe sous l'eau. Poteau tyrolienne, accroche de tyrolienne, ça va, c'est bien. Barre d'abeille. Okay. Bon, fais voir pour l'équipement. Alors, il nous faudrait des palmes. Je sais plus comment on récupère ça. Il va falloir qu'on aille sous l'eau et qu'on coupe des plantes, en fait. Ah, le tuba à branches aussi, on pourrait faire ça. Ah, le casque bulle est encore mieux, hein, mais on n'a pas l'équipement pour. Ouais, il nous faut des brins de vasilnerie.
Ouais, il nous faut des brins de vasilinerie. Ça marche. Nice and clean. Bon, du coup, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Parfait. Là-bas. Attends, il va me casser mes trucs. Juste pour mettre de la nourriture. On y va. On y va. Après, c'est pas le moment le plus direct, comme j'ai dit, le fait d'aller dans l'eau, là. Parce que, comme j'ai dit, il faut de l'équipement, donc on va devoir faire... Techniquement, on va devoir faire plusieurs allers-retours. Genre, pour farmer, s'équiper, enfin, crafter, farmer, crafter. Puis après, on pourra aller avancer. Parce que je préfère y aller... Ah, c'est une grosse fourmi, ça. Je préfère y aller équiper. Plutôt que... Que... genre, d'avoir une mort tous les deux runs, quoi. Ce serait débile, quoi. Donc, je veux qu'on s'équipe avant. Not bad. Bien. Parfait. Et c'est un peu loin, donc à chaque fois, bah aller-retour, quoi. Bon, on va essayer de faire fonctionner tout ça. Donc on a notre couteau. Donc je sais plus exactement ce qu'il faut couper, franchement. Aussi pour les coffres, ça va devenir un peu plus simple au bout d'un moment. Parce qu'on pourra stacker plus d'objets. Donc du coup ça va nous aider. Accro de cardio. Mutation. Ça c'est pour plus d'endurance je crois. Ah, faut voir. T'es où toi? Je vais me refaire quelques araignées. Parce que c'est une mission et puis ça nous donne des objets. Alors, c'est pas ça? Ou c'est peut-être ça en fait. Ah, c'est ça! Oh mon dieu. Alors, si je dis pas de bêtises, un truc qu'on peut faire, parce que vu que là on est en mode farm, de ce que j'ai vu, la mutation de vol fonctionne même sur les objets que vous tapez en fait. Enfin, les objets, les plantes et tout ça, si je dis pas de bêtises. Fais voir le cardio, c'est où ? Hyperactivité, récupération d'épuisement. Si je dis pas de bêtises, même si vous tapez, vous avez une chance de voler genre une plante. Ah bah tiens, il est là le poisson géant. Ouais. Oh, le carcoy. Ah, si on reste près des gros, de la grosse structure, il peut pas vraiment venir vers nous. Mais il va nous bouffer, hein. Il va nous gober. Hein. Si jamais il a l'occasion. Donc ouais, c'est le problème de l'eau. Beaucoup de choses à farmer. Non, ça non. Il y en a de ce côté ou pas? Ah tiens, une araignée. Enfin, ça a pas l'air de taper très vite en fait. Non, c'est pas une araignée ça. C'est juste pour couper des trucs dans l'eau quoi. Je sais pas ce qu'il faut utiliser sous l'eau, du coup. Le trident peut-être? Enfin, c'est pas vraiment des armes en fait ce que j'ai. C'est juste pour couper des plantes. Ouais. Bah, déception.
I feel a little less squishy now. Quand on aura les palmes, ça ira nettement plus vite. Hein. Ouais, le poisson. Ok, très bien. En plus, récupérer l'oxygène, c'est pas immédiat, donc un peu la galère. Doucement, doucement le poisson. Ok, très bien. Alors, fais voir un peu. On va se mettre sur un nénuphar. Fais voir un peu ce qu'on voulait, nous. Donc, le tuba, ça sera pour plus tard, le casque bulle. Le tuba serait bien. Donc, le tuba, on peut le faire. Il nous faut de la sève, on en a, et de la corde, on en a. Donc, on peut faire ça. Et je voudrais bien des palmes. Par contre, il faut ça, il en faut plusieurs. Donc, il faudrait attaquer des araignées. Par contre, des araignées à la surface, c'est un peu chaud. Il y en a là. Faut en poule, en fait. Faut en prendre une et faut qu'elle vienne vers nous. Je vais pas en aggro deux en même temps. Garde une place, ça va être. Mal ces merdes. Elle est où? Un peu mal. Just pretend it's beef jerky. Ça va, c'est bien. No water filtration tablets needed. Nickel. Ouais, ça va comme ça. Il en faudrait une autre. T'en vois rien du tout. Ah là, là il y en a plusieurs. Et ramène-toi. Faut les bloquer en fait pour éviter qu'elles fassent des. Qu'elles s'éloignent. Oh la vache! Ah putain, mets-toi à la surface, bordel. Ah, c'est pas le plus simple. Mais elles font très mal, hein. C'est pour ça que je bloque le plus possible. Mais elles font très mal. C'est un des coups, il fait très très mal. Genre quand elles chargent, là, quand elles ont l'air de charger. Et viens à la surface. C'est plus rapide, honnêtement, parce que le coup de l'arc, c'est un peu lent. Mets-toi. Bien.
Cool. Pas mal, pas mal, pas mal. Je sais pas si on a volé des trucs, mais j'ai toujours la mutation de vol. Hein. Ouais. J'ai pas vraiment fait attention si on a volé... quoi que ce soit, mais pendant qu'on combattait, mais ça va. Je voudrais bien faire une note, comme ça on fait notre mission. Mais ça va être chaud d'en trouver une ici, en fait. Ou elle doit être profond, ou elle doit être là-bas, mais là-bas, il y a le gros poisson, quoi. Alors, on va prendre des de la sève de nénuphar. Moi, je me rappelle que ce laboratoire, c'était quand même... C'est quand même chaud. Le coup qu'on soit limité avec l'oxygène car on est sous l'eau et tout ça, après qu'on est dans le labo, il faut vraiment penser à ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut le coup de risquer, genre de sortir, est-ce que, car vous savez pas où vous allez. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on est entouré d'eau, mais on peut pas la boire. Enfin, si, mais on meurt au bout d'un moment. On peut pas faire que boire de l'eau croupie, par exemple. Donc, ouais, non, c'était vraiment intéressant de le découvrir, ce laboratoire. C'était assez intéressant. Normalement, je crois qu'il y a une entrée. Donc là, si on approche, ça s'ouvre. Mais ouais, on ira voir ça plus tard. Il y a des nouveaux emplacements aussi. Je suis allé regarder un peu les nouveautés en fait du jeu. Alors, on va pas descendre trop bas. Mais il y aurait des nouveaux sortes de donjons en fait. Vraiment des nouveaux donjons. Donc c'est vraiment cool. Des nouvelles grottes, hein, et il y a même des nouveaux boss, je crois. Nouveaux boss et nouvelles créatures. Genre des guêpes apparemment. Je sais pas comment on peut les tuer. Est-ce qu'ils vont fuir ou pas? Si je les attaque et qu'ils fuient, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah, c'est... ah oui, ceux-là, vous avez vu qu'ils ont une bulle d'eau en dessous d'eux. Donc si vous les tuez, vous récupérez l'oxygène automatiquement. Ça, c'est pas mal. Attends, ça, c'est une araignée... Ouais, non. C'est une araignée de terre, ça. Donc toi, normalement... Bon, ça va. Ils sont pas... Je pensais qu'ils allaient nager super vite, en fait. Mais en fait, non, ça va. Je sais pas si on peut prendre des bulles, là. Non, je peux pas. Aussi, pour taper plus vite, je bloque. Je reset l'animation, en fait. C'est pour ça que ça consomme beaucoup d'endurance de faire ça, mais au moins, on tape plus vite. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a ça. Ça, je sais qu'on peut les... Bah tiens, on va analyser les nouvelles choses. Je sais qu'on peut en faire des repas directement. C'est des gros repas, je crois. Et on les utilise aussi pour faire des appâts, je crois bien. Et par contre, c'est un peu chiant parce que c'est de la nourriture fraîche, donc du coup, ça pourrit. Donc faut vite se bouger les fesses si vous voulez les utiliser. Là, je crois qu'on est bien. Par contre, je savais pas que les... Bah, ceux-là, là, c'est des quoi? C'est des puces. Punaises d'eau. Les punaises d'eau donnent aussi les objets pour crafter ce qu'on veut, ce qu'il nous faut. Alors, attendez. Je pensais que c'était que les araignées, mais en fait non. Allez, viens ici. Oh putain. Nickel. Des nageoires de punaises là. C'est bien ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui font leur base ici. Genre là, sur des cailloux et tout. C'est très loin par contre de toute plante pour crafter. Donc c'est un peu la galère. Mais
Mais vous êtes tranquille ici du coup. Genre, il n'y a aucune créature terrestre qui peut venir sur vous. 4 sur 5 toujours bien. Alors, on va faire ça. Ah quoi que non, c'est pas les mêmes choses. Non, j'ai rien dit, c'est pas les mêmes choses. Palme pressée. Ah oui, la nourriture, la boisson. Ça nous aide aussi à rester plus longtemps. Ah là là, il y a plein de trucs à faire. Repère flottant. Lance à dard. Ouh, l'armure en abeille, ça c'est cool. Nice and clean. Le truc qu'on pourrait faire aussi, c'est ça. Mettre ce qu'on veut farmer. Ça aide énormément, évidemment. Je sais pas si c'est peut-être mieux avec la lance. Au final. Pour combattre. Bon, je vois plus d'araignées. Ça m'embête, ça. Ça m'embête un peu. Il y en a. Mais elles sont basses. Ouais, elles sont là. On va essayer d'en faire venir une. Sans se faire bouffer par le poisson géant. Ah, évidemment, deux à la fois, super. Ok, très bien. Je vais tester avec la lance au final. Je crois qu'on fait moins de dégâts. Je crois qu'on fait moins de dégâts, c'est bizarre. Comment on fait? Ça doit être faible. Bah tiens, je peux regarder en fait, tout simplement. C'est ouf. Je les ai pas analysés. Si, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Faiblesse tailladée, ok. Bon ben, c'est pour ça en fait. Ouais, résistant à l'empalement. Ça aussi, c'est super important, bien sûr. On va rentrer parce que là ça me... Notre épisode va être un peu long. Mais ouais, c'est très important aussi de regarder les différences en fait entre les animaux. Enfin, les créatures. Aphids, nature's lollipops. Là, je crois qu'on a des... pétales. Faire gaffe que des fois il y a des araignées qui traînent, donc c'est un peu la galère. No water filtration tablets needed. Ok, nickel. Mais merde. Ouais. Ouais. On va essayer de la désagro et de se casser. Ça court vite, hein, c'est merde. Il y a juste des armes. Okay. Ah.
Est-ce que je peux taper ça ou il faut deux? Niveau 2, je m'en rappelle plus à chaque fois. Non, niveau 2. Non, nous on a le... Nous on a la hache. On prend les petites herbes pour faire des soins, parce qu'on en a... Il nous en faut. Et on a fait tellement de cordes. Ça. Ah, une souris. Une souris. Qu'est-ce que je raconte? Une fourmi, pas une souris. Ben voilà, ben c'était un... Honnêtement, ça va. On a pris... on a pu récupérer... les choses intéressantes. Je vais être franc. Les choses qui nous... qui étaient très importantes pour crafter. Et je parlais aussi des coffres et des stacks. Il faut qu'on récupère des molaires là. Et qu'on augmente. C'est les, je crois que c'est celles qui sont en doré. Qu'on puisse augmenter les stacks en fait. Ça va vraiment nous aider. Parce qu'au début on peut stacker genre 5 objets. Puis après ça sera 10. Ça va doubler la contenance des coffres. Parce que là on a besoin de beaucoup de coffres mais... Après, ce sera pas nécessaire d'en avoir autant. Hop, on va faire ça. Bon, casse-toi, les fourmis. Hein. C'est pas ça, quand même, qui gêne. Je sais pas où mettre mes choses, moi, ça me rend fou. Hein. Non, ça va. Non, ça va, elle repart au bout d'un. Non, non, mais c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ça, très bien. Un pétale. Ça aussi. Hop. On va analyser le pétale. Un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude, mais... C'est pas la bonne cause. Ça, on a fini. Nickel. Des puces d'eau maintenant. Ben, ça va, c'est bien parce que tout tourne autour de l'eau. Alors je crois que c'est un peu pour nous indiquer que ben, c'est un peu l'endroit où on doit aller. Ah, l'étoile trampoline, vachement utile. Je me demande si ça marche encore. On pouvait faire des sortes de tours avec des toiles trampolines où vous en prenez une en fait et ça vous fait en prendre plusieurs d'affilée. Enfin, si vous les mettez d'affilée, bien sûr. Mais il fallait les mettre dans une position et vous pouviez faire des sortes d'ascenseurs comme ça. En trampoline, je suis sûr que ça existe, ça fonctionne encore. Alors, très bien. Ça, on va le prendre. Du coup, je crois qu'on va cuisiner ça, parce que c'est pas vraiment important pour le moment. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire sécher ? Non, je veux pas faire sécher ça, j'ai des baies à faire sécher. Ce serait un peu con. Je crois que j'ai encore plein de baies. Ouais. On pourrait mettre de l'or dans les coffres. Plus tard, je le ferai. Genre, et on peut même des... Si je dis pas de bêtises... Alors, trier... Personnaliser l'icône, on peut mettre une couleur, un nom, un icône sur les coffres. Donc du coup, moi c'est ce que j'avais fait sur ma grande base. Mais voilà, on va laisser ça là. Enfin, peu importe, de toute façon, ça va pourrir même si ça reste là. Donc chair de tétard cuite. Et ça, ça donne, ça soigne, ça fait repas et ça fait bien nourri. Donc c'est cool. Ça fait... Sinon, ça fait que bien nourri, je crois. Ça fait pas repas, en fait. Les trucs comme ça. Oh, on a fait un critique. À la limite, ce qui est pas mal de... avec la masse, c'est d'avoir deux masses. Donc vous prenez la première, vous tapez une fois pour faire le saignement, puis après vous changez. À un moment, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des charançons près des champignons? Non.
Bon, ça devient un peu long là. Je vais peut-être m'arrêter. Trop de trucs à faire dans le jeu. Très bien. On va juste crafter ce qu'il nous faut. J'espère qu'on a assez. Donc on veut un tuba. Permet à l'utilisateur de rester sous l'eau plus longtemps. Je sais pas combien on gagne, mais on a ça, c'est bien. Alors ça c'est les trucs d'abeilles, on s'en fout. Et après on voudrait des palmes. Ah non, il nous en faut deux de plus. Ok. Bon. Bon, bon, bon. C'est pas grave. Très bien. Ah, quoique, on a pas vraiment besoin. Bon bah très bien, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois. On va devoir un peu farmer, faire un petit aller-retour, mais après on va peut-être aller dans le. Comment ça s'appelle ? Le laboratoire. Ouais, non, ouais, il nous faudrait des palmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.